Bonjour tout le monde, ça y est, les nouveaux stickers pour Shanghai, le nouveau Major sur Counter-Strike 2 sont disponibles. Valve vient de nous sortir une petite mise à jour avec eh bien, des designs un petit peu exclusifs. Voilà, il y a des nouveautés qui sont sorties. C'est vraiment une excellente nouvelle avec l'arrivée bien évidemment des stickers de 3D Max, de Vitality, mais également de quelques petits joueurs français qui nous représentent qui sont chez Fnatic. On va débriefer un petit peu tout ça. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite tous à à utiliser le code MalexCSGO sur SkinMonkey. C'est un site pour trade vos skins. Et sachez que pendant le Black Friday, vous allez avoir, par exemple, Demain, dès demain en tout cas, 45% de bonus sur votre dépôt. Donc vous pourrez aller faire des petites affaires. J'ai parlé avec le gars du site. Sachez que les stickers seront disponibles seulement dans 7 jours. Étant donné qu'on peut les drop dès aujourd'hui, ils ne seront pas échangeables avant 7 jours. Ce qui veut dire que pour l'ajout de tous les stickers, eh ben ça va prendre quelques petites journées quand même. On commence directement avec euh, l'insigne l'insigne des de diamond coins, des gold coins, des bronze coins. Pour ceux qui vont faire les Pkem Challenge. Voici le nouveau design du coin et eh bien du Major Shanghai avec le dragon, l'emblème bien évidemment euh, du pays de la Chine, les amis, que je trouve plutôt plutôt stylé. On va pas se le cacher et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment des kiffeurs de la culture asiatique et donc je pense que ce sticker va être en tout cas selon moi une petite réussite. Voici la nouveauté en fait que Valve a introduit sur ses nouveaux stickers, c'est euh, l'apparition de patterns sur les stickers holographiques. Voici le détail par exemple d'un sticker 3D Max. Comme vous pouvez le voir, nouveau sticker 3D Max, nouveau design, nouvel emblème avec bien évidemment le petit Shanghai 2024. Et euh, le petit dragon derrière Moi j'apprécie énormément Il va super bien en tout cas Parce qu'il est or, rouge et du doré Et pas mal de nuances de couleurs Avec bien évidemment le Shanghai qui est euh, En doré Il est borderless donc sans bordure etc Sans contour, il y a des gens qui le déplorent Moi je trouve que c'est quand même une réussite Beaucoup de gens en tout cas se plaignaient du fait que Les anciens stickers, enfin en tout cas une multitude N'étaient plus comme ceux de 2014 Avec énormément de bordure etc On a eu Stockholm Paris, Copenhague, tous sans, sans bordure, et donc on voulait un peu du renouveau euh, au sein de la communauté. Moi je trouve que quand même le Shanghai 2024 sans bordure est très réussi. Et la nouveauté c'est le fait qu'il y ait des patterns désormais, comme il y a sur les skins qu'on a en fait sur Counter-Strike. Et là par exemple, l'intensité euh, de l'or et des mini 3D Max, vous pouvez voir, il y a des mini 3D Max en fait dedans qui sont designés, et eh bien peuvent changer. On peut l'avoir tout rouge, or et rouge, or et orange, un peu moins, un peu plus, avec plus de motifs qui apparaissent ou pas. Laissez-moi par exemple vous donner un autre holo holographique pour que vous puissiez un petit peu comprendre tout ça. Allez, je vous montre le gold quand même. Là, c'est le, euh, le gold 3D Max et euh, peut-être le Vitality. Voilà, regardez les stickers Vitality par exemple. C'est le classique celui-là. Là, on a euh, le glitter, donc c'est celui qui scintille avec les paillettes. Après, on va avoir le holo, comme vous pouvez voir, mais là, il est il est pas euh, le pattern ne ressort pas euh, beaucoup. Vous voyez avec les petites euh, les minis abeilles qui va y avoir dedans et le gold changement de signature donc pour le sticker de Ziwoo chez Vitality Valve oblige désormais les joueurs à signer eux-mêmes pour être sûr de ne pas avoir de problèmes de droit d'ayant droit de poursuite en justice pour des designs qui leur appartiennent pas ou ce genre de choses pour avoir volé des typographies et ce genre de choses sachez que c'est déjà arrivé par le passé il y a des joueurs qui ont fait appel à des professionnels à des graphistes pour leur designer un truc vraiment stylé pour que ce soit très populaire très apprécié il y a des joueurs qui sont allés eux-mêmes en fait sur des sites internet designer leurs stickers, mais en fait la typologie qu'ils utilisent sur internet sont possédés par euh, des, euh, des entités et leur utilisation en tout cas il faut leur reverser des royalties si c'est si un, un but commercial et donc sachez que. On oblige donc désormais les, les joueurs à signer eux-mêmes, comme c'était le cas de toute façon euh, à l'époque, hein, il y a 10 ans euh, à l'apparition en fait de, des stickers. Et regardez par exemple le nouveau sticker de Ziou et on va le comparer avec ses précédents. Je le trouve très réussi, en tout cas moi le, le nouveau sticker ZywOo. Et regardez euh, par exemple euh, ses anciens. Voici là son premier sticker en fait qui est apparu, que je trouve vraiment très peu réussi, et même genre plutôt négligé par rapport à la nouvelle signature que lui-même a fait, alors que le précédent, en tout cas pour Paris, comme vous pouvez le voir, c'était son emblème, son logo qui a été designé forcément par une équipe marketing, etc. Et qui, potentiellement, il n'est pas en capacité de refaire à la perfection, ou alors que son utilisation peut euh, nécessiter des ayants droit, des poursuites, ou je ne sais quoi, euh, même si je, 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 je me... Je je, je, je pense qu'il a été acheté euh, Voilà correctement Et que en fait il est en pleine possession De l'utilisation en tout cas de ce sticker là On va parler par exemple de sticker De Body qui est chez Fnatic Qui nous représente également Et pareil là on l'a en holographique Et là vous le voyez en orange sur orange Il peut paraître un petit peu bizarre Et ce genre de choses Pareil pour le Afro qui je vous le rappelle Fait partie du roster Fnatic en tant que suppléant Et donc il a son sticker dans le jeu Et regardez donc tous les stickers de 3D Max, les refs. Voici toutes les signatures des joueurs 3D Max. Exercice, Gravity, Maka, Joko et Lucky. Et comme je vous le disais, on a l'apparition de patterns et le maca comme vous pouvez le voir ici en holographique et eh, eh bien il, 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 va re, il, va, il va ressortir beaucoup plus alors que là il, non, donc on a un, un pattern standard, un pattern un peu plus différent avec l'intensité etc des couleurs qui va être donc euh, différente, sachez qu'avec la nouvelle mise à jour euh, que val vient d'ajouter également la, position, la possibilité inédite de louer tous les skins de toutes les caisses Counter-Strike Global Offensive et euh, ça pour une durée de 7 jours alors qu'avant c'était que sur une ou deux caisses en particulier. Voici donc la capsule de stickers. Ça vaut 99 euh, centimes. L'argent, donc quand vous allez acheter des stickers, il y a un pourcentage qui euh, soutient euh, le club et un pourcentage qui soutient les joueurs. Donc au plus vous allez ouvrir de capsules, au plus les acteurs de la scène, Counter-Strike, vont bénéficier en fait de cet argent-là. Vous pouvez voir que, donc on a déjà G2, Navi, Vita, euh, Spirit, parce que là on est sur la capsule légende comme vous pouvez voir et le 3d max que je trouve vraiment très réussi euh, personnellement 3d max normal 3d max holo euh, glitter pardon et 3d max holo et comme je vous la, euh, le rappelle on a des patterns différents et les gold que vous pouvez apercevoir ici très sympa euh, tout ça on a bien évidemment les Pick'em Challenge, les pronostics en fait de qui va aller où en quart de finale, qui passe en 3-0, qui sont disponibles. Regardez comment ça se présente, ça je pense que vous connaissez et euh, en gros quand vous achetez le pass, vous allez a la fin du Major Récupérer l'intégralité des, des, De toutes les équipes Des stickers etc Et vous allez gagner euh, des, euh, des coins Voilà le coin Le bronze coin etc Donc un emblème Plutôt sympathique Et vous avez un petit site internet euh, Majorio pour, euh, pour faire des prédictions Avec qui tombe Qui tombe sur qui euh, euh, Et ce genre de choses Donc là Major Shanghai euh, Qui va tomber contre qui Est-ce que c'est plutôt complexity Plutôt liquid Il y a les tirages Il y a les probabilités Tout est calculé pour cela je vous mettrai le site dans la description pour ceux qui veulent un petit peu s'amuser à prédire. Parce que dire qui va passer en 3-0, c'est pas si facile que ça. Il faut aussi prédire qui vont jouer en 1-1, en 2-1, en 2-0 potentiellement pour savoir qui va passer, qui va pas passer. Parce qu'il y a des équipes qui se cannibalisent en tout cas. Et donc c'est en tout cas plus facile, plus accessible de prédire ces choses-là. Dernière petite news et excellente news le merch 3D Max va arriver. 3dmax.gg, c'est c'est le site internet qu'on a lancé avec le nouveau logo, etc. La boutique va bientôt être disponible, incessamment sous peu, très certainement pendant le Major, justement. Et regardez tout le merch qui va être dispo, les amis. 3D Max Shop qui devrait sortir donc pour le mois de novembre. Et regardez, on a un petit pull avec Maca en, en égérie plutôt beau gosse et la belle moustache qu'il a bien taillée pour l'événement. La petite doudoune 3D Max, par exemple. Les petits, les petits t-shirts un petit peu oversize en mode pour. Drippé etc. Petit aperçu également. Eh bien, du bas, du pantalon, comme vous pouvez voir, du petit euh, survêtement jogging. Je sais pas comment vous vous appelez ça avec le logo. Et Vous voyez le flat design. Comment ça va ressortir un peu mieux sur du merch, un petit peu lifestyle et tout. Je sais qu'il y en a qui déplorent, qui sont nostalgiques sur l'ancien logo. J'ai expliqué ça euh, dans une précédente vidéo où justement, en fait, le gouvernement chinois est très à cheval sur sa culture, sur ses traditions et tout emblème lié euh, à la mort. Euh, les, 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 les crânes, les squelettes, les démons, etc. C'est non. Donc, euh, changement de logo, etc. Pour ceux qui veulent euh, savoir. Et on a voulu aller de l'avant avec un design un petit peu plus flat, plus flat etc. Et j'ai bien évidemment lu vos commentaires euh, qui étaient euh, en tout cas pour la plupart très constructifs. Et j'ai vraiment apprécié euh, votre aide. Donc, regardez, euh, petit design également sur du petit pull et du petit maillot. Et on va avoir un petit peu tout ça de disponible très bientôt avec des ajouts dans le futur euh, d'autres produits, bien évidemment. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'on va faire un beau tournoi, en fait. Tout simplement, des belles prestations en Legend Stage. Ciao tout le monde!